si j'ai un fils, je lui dirai qu'il peut être noir, jaune ou marron. On ne lui fera pas de procès, car les hommes sont sages de raison. Si j'ai un fils dernier de la classe, nul à l'école ou bon à rien, la société lui trouvera une place et il s'épanouira comme tout un chacun. Et quand bien même ce serait un assassin, on ne l'enverrait pas à la potence. On ne trouve plus cela humain. Alors, il irait en prison, il pourra se marier au parloir et faire des gosses avec sa femme. Tous les dimanches, il viendra le voir. Une sorte de famille presque banale. Si j'ai un fils, je lui conseille, je lui souhaite même, pour moins de souffrance, d'être noir, nul à l'école et criminel. Il aura alors plus de chance que si son pays le dénature, et jusqu'à son entourage, invoquant Dieu ou la nature, qu'on ne le prive de mariage. Que si son époque et ses principes lui interdisent d'aimer un enfant, de peur qu'à l'école, il soit pris en grippe pour avoir deux papas ou deux mamans. Et on préférera remplir les orphelinats de la DAS, et on préférera lui dire qu'il existe toujours le pacte, plutôt que d'admettre qu'il puisse se marier avec un homme.